Évêque sacré. Un évêque est sacré. Les pasteurs sont ordonnés. Et les diacres et les anciens sont consacrés. Et bon, moi, archevêque. Pour beaucoup de l'archevêque, l'église de Réveil, Albert Kankinza. Bon, moi, archevêque. Archevêque est à titre, caca. Archevêque est à titre. Évêque, un réel évêque. Pas moutoualali à l'autre. Bon, pour bateau sangai, nami ben évêque, te wane zali kaka, on peut dire quoi, tigre en copal. Mais, oyo azali réellement évêque, zamba likolo, azali ku équipe ye, parce que ye, azali ku résoudre problème yaba pasteur, azali ku résoudre problème yaba ancien, azali ku résoudre problème yaba ndimi. Et Dieu lui confère cette place d'autorité. C'est pourquoi attendu basala ka musala na pesonda ki sa musala ya l'état mutoza député akokuzala na jeep ya ba se ya ba policier balanda ka ce matin investir bango ou en d'autres termes nous les avons ordonné en d'autres termes nous les avons consacrés maintenant les termes aussi diffèrent pour na bandeko baza kolanda biso va comprendre pourquoi pour na pasteur tolobaka consécration té parce que consécration ezali destiné ba diacre na bancien et sont consacrés à l'œuvre de Dieu ndé a yamba une trentaine de pasteurs seulement une trentaine. Bon, pour nous, nous sommes tous les membres. Alors, nous sommes associés à cette occasion-là. Donc, effectivement, tous les gens cité à OIA. Et puis, voilà. Vous avez dit que vous avez une église. Bon, donc voilà ce que je peux dire. Et l'autre, pas la population d'Abisso, il y a zalé le sambu ya politique te. Il y a zalé le sambu ya solo, c'est-à-dire mutoza ku sambe l'ensemble. Botindi nzembo vous sentez que aza ku yemba ngona ku beta monokote, aza ku yemba nzembo oyo ayé bien. En tout cas, 2023, toko kende ba élection. 2023, Congo au côté le matin. 2023, Tokozala na président Félix comme pour son deuxième mandat, ba député ba oy ba kokota makambwango ba kutia mabaya ba kuyebana et donc je suis prophète de paix et d'espoir. Donner une solution, la violence appelle toujours la violence. Quant à la MONUSCO, mon message c'est de dire oui. Le gouvernement, notre gouvernement, a signé les accords avec la MONUSCO. Et comme notre gouvernement parle des retraits progressifs, et donc moi j'emboîte les pas pour dire je suis d'accord avec ce que le gouvernement dit, mais moi en tant que leader, je ne peux pas céder à la pression. Donc le gouvernement ne cède pas à la pression. Voilà, 1er août 2022, bonne fête à tous les parents. Mesdames et messieurs, vous nous captez à travers le monde sur Équilibre Télévision. Bienvenue chez nous, encore une fois, merci pour la confiance. Jérémy Louemba, les renards du désert est devant vous. Alors, abonnez-vous très massivement pour nous soutenir. Là, nous recevons pour vous spécialement l'homme de Dieu, l'évêque Ejiba Yamapia. Tout mais un peu cousola par rapport à spiritualité, mais aussi sur d'autres points d'actualité. Papa évêque Ejiba Yamapia, bonjour. Bonjour Jérémy. Bonne fête en tant que parent. Merci beaucoup, mais aussi là, bonne fête à tous les parents de la République, et tous les parents de l'église pentecôtiste des secouristes. Puis, Jérémy, toi-même,
Tu sais, c'est parrain, papa. Ah, bonne fête à toi aussi, parrain. Pareillement, merci, papa. C'est tellement gentil. Alors, toi, démarrer la prière, avant ton côté, la vie, facile, j'ai l'habitude. Mon conseil, aux Alliés, Zambé, Oyebi, Ndenge Tola, la campagne Ndenge Tola, Mokaka, Mokolo, Natiki, Amouna Maboko, Nayon Zambé, Natiki, Bapara, Nyoso, la République démocratique du Congo, Pena Mokil Mobimba. Paix aux âmes de nos parents qui nous ont quittés. Nzambe zwa lokumu. Paix sa biso makasi ya kozala ba parents malamu. Paix sa biso makasi ya kosalela yo. Merci Nzambe parce que ba wayi baza kulanda biso oko simba bango. Ba yi baza kuzela mabota Nzambe. Paix sa bango mabota. Yango naza ku condamner ce prix ya stérilité. Nazali ku détruire ce prix ya ba mort prématuré. Nazali ku détruire que ce prix ya ba avortement. Tikete nguya na Nzambe. E simba, ba oyo bazaki na pasi ya kwa avorte, ba avorte te Nzambe apesa bango makasi. Nzambe sunga biso. Zala Nzambe na biso. Zala Nzambe ya République démocratique du Congo. Merci. Merci l'homme de Dieu. Voilà. Et on va débuter d'abord par ce sujet, l'homme de Dieu, comme vous le constatez, dans un journée férié, le 1er août, Zali, Pédate, Zali, choisi pour la commémorer, Bato, Tikabiso, Bato, Koufa. Mais est-ce qu'il y a un angle spirituel, l'homme de Dieu, Moto, ici, à Koufa, Kokanisaye, Kokenego, Talaye, Kolele, Lissousou, et ça n'a effet, et ça n'a impact, Moko. Ou bien c'est tout simplement idolâtrie, les alliés comme qui sont chrétiens, tout le monde a chemin. Bon, en tant que chrétien, sentiment où les alliés sont les nango, ils ont des problèmes. C'est-à-dire, ceux qui ont été le cola, ils ont été kaka, papa koufa, et puis tango comme kuna, ils ont été bois, flore, olobike. Papa bisika bozali bokanisa biso wana osali lisumu parce que o invoke ba mort mukanda na Nzambe lobi bokobenga kabato e bakufate nesika mabe ezali na angle spirituel sikoyo na angle de mémoire oyo tokoti koloba moral ezali normal. Papa azala kana date d'expiration te. Donc, paska bota yo atasi akufa azaka ka papa. Donc, moto akoki akeyi konore mukufite azali konore mémoire ya oyo abota ye anyoko mampwete yako mampe moto sa kokende koloba maloba na ye. Donc, soki olobi maloba na lilita ya koko ya nani paske zali le 1er août okoki ko ramase na milimu mabe oyo eza kotambola na mipepe et puis oye opesi lisusu pasteur musala ya makambo oyo sali volontairement. Donc toyeba côté moral ezali normal, côté spirituel koloba maloba te. Sala kaka basini wana symbolique mpona konore mémoire na ye ya kolobete il y a quelque chose qui te lie à toi et à lui. Très bien. Voilà, merci beaucoup pour cette leçon morale. Alors de partout vous nous suivez, nous sommes là avec l'évêque Jiba et Mapia. Papa, en tout cas entre nous, tout me gagne un peu que sur la métalli ordination salamaki le week-end dernier à une église. Église pentecôtiste et des secouristes na Rigini, où tu coordonné par pasteur et la communauté. Alors, critères et aranini pour que tu sois pasteur. Et pour ça, la sélection, comment pour que tu aies un temps pour que tu sois passé dans le Zambé. Il y a appel, je suis un appel pour que tu sois dans le Zambé. Biso batuto kotala to moni mbuma ya appel na ye. Tango mbuma wane monani et puis nde to yeko tele maliboso ya batu liboso ya lingomba to lobike nde koyo to tiye mutu atitre ya kosala makambu boye. C'est ainsi na cadre ya église pentecôtiste de secouriste bande koyo
tobulisi ndeli lingala malam mais na munoko ya lopoto tokolobaka to investir bango ou en d'autres termes nous les avons ordonnés en d'autres termes nous les avons consacrés maintenant les termes aussi diffèrent pona bandeko baza kolanda biso va comprendre pourquoi pona pasteur tolobaka consécration te parce que consécration ezali destiné ba diacre na bancien et sont consacrés à l'œuvre de Dieu. La différence est entre la consécration et l'ordination. Dans le mot ordination, il y a là ce qu'on appelle ordonner. Il y a ce qu'on appelle l'ordonnancement. Ça veut dire ces gens-là reçoivent un pouvoir d'aller aussi faire ce qu'on a fait d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont à leur tour capables de consacrer les autres. Nyangwa no mona kata na makambu ya l'État, ce qui ministre a signé balobaka arrêté ministériel. Arrêté veut dire ezali esukele kakawana arrêté comme ça, ça va se faire comme ça. Tangwe matili kolo et pas mokonzi ya mboka bakolobaka ordonnance. Mutoyo baoyo bazaka sur l'ordonnance ya chef de l'État ezali batu bazali habilité ya un certain secteur. C'est pourquoi les ordonnances sont réservées à des personnes capables à leur tour de faire aussi ce qu'on a fait d'eux. C'est pourquoi vous voyez dans la magistrature on dit les magistrats sont nommés par ordonnance présidentielle. Même s'ils ont été désignés par le ministre de la Justice, mais au finish, c'est l'ordonnance du chef de l'État qui viendra pour pouvoir les instituer dans cette tâche-là. Et donc, na makambo ya Bunzambe, ces gens-là ont été ordonnés pour être ce que nous appelons ministre de culte. Mais lukula mutuna na yo ezali biso to komisa bango ndenge nini na me résumé 1 bango babenga me pa na nzambe 2 biso batu ngai na poni bango et puis na tindi bango batu mi baloyo oza komona na bilili oyo to ordonaki mukolo ya samedi le 30 juillet bazaba pasteur avec des églises. Donc, Bakéi basali preuve que bazwa ministère pastoral. Et alors, to confirmé, to la kisi ba na misu ya batu, to signé ba certificat ya ordination que ko esika ba kokende. Ata devant l'État, ce qui a boulisi mariage, a koko signé acte de mariage. Oyebi ndeko Jérémy, que zali na ba oye baza komi benga ba pasteur, il n'est pas capable de signer un acte de mariage. Mariage oyo bapambula kana église wana sous d'autres cieux l'État reconnaît les actes qui sont posés par l'église au travers des ministres ordonnés. Si le ministre n'a pas été ordonné, il ne peut pas signer un acte de mariage qui peut être reconnu par l'État. Donc voilà, je pense que l'homme de Dieu me qui un peu éclaircir. Parce que dans plusieurs églises, ce qui est basé Boulissa, Banganganzambe, au moment que consécration. Alors là, on peut une différence entre consécration et ordination. Na ordination. Donc, bah, pasteur, on est ordonné. Et puis, ils allaient à un niveau. Ils allaient à un niveau. Ils allaient à un niveau. Ils allaient à bazali consacré ba pasteur bazali ordonné ba évêque bazali sacré. Voilà ne donc ezali na ba niveau netibino ba évêque boza sacré wengai nazali sacré ngai nazali sacré. Ouais, c'est pourquoi au monaka atana ba ekulu soy tolatak
ba pasteur to lati sakabango kulusu ya muke qui veut dire que sacrifice na bango ezali lo lenge na oya bisote tandis que ngai lokule vek le lo na yena ekulusu na ngawa na te mais tango baza kotala na bilili ba komona ngwe ezali ya munene lota medaille munene ya batu baye bakate bakane sakake mbo ezali mposko batu ba mona biso bate mpongai nazali sacré. Donc moi la personne là je suis sacré na pesa ndakisa na makambo etali mbula matati ba tulokola député ba ministre ou ba nani ils ont leur degré ya responsabilité limitée mais tango komie pa mokonzi ya mboka le président de la république ye mutu azali lisusu individu pambate lui là représente la nation lui là il est le symbole de la nation lui là c'est toute une institution yangwa no monaka ndakisa ce qui président ya États-Unis alingi akende na mboka mais papa au komitu nezali bakebi tumba tondenge nini ezali avion na ye na kati ba avion mususu mususu ezali liboso mususu ezali na sima mususu ezali pembeni ezali kulanda ye donc pour dire quoi que lui là la personne là c'est toute une institution de na makambu ya église bino ba évêque boza sacré évêque aza sacré un évêque est sacré les pasteurs sont ordonnés et les diacres et les anciens sont consacrés. Et bon, moi, archevêque, pour comprendre l'archevêque, l'église de Réveil, Albert Kankinza, bon, archevêque. Archevêque est à titre, kaka. Archevêque est à titre. Il y a sa sacrité. Naïe, naba évêque, bangonios baza sacré. Ça, c'est bien. Ma titre, je suis évêque général, évêque président. Voilà. Et ça, ma titre. Mais na bunzambe nzambe nde ayebi dozi ya moko na moko alors yo posa tandis que na bunzambe évêque na pasteur ba charge que seni mais aussi des pasteurs des grands parce que pasteur c'est parmi les cinq ministères na bible ouais ouais ba pasteur musu bazapi ba l'équipe na mafuta malgré ça ouais ouais marketing évangélique ya pamba ezali problème nzambe nde capacité ezali ko ba groupe électrogène groupe oyo ezali ko alimenter kaka mwa minda somona kamunene nango sikoyo groupe oyo ba lobby industriel est-ce que zana capacité moko pourquoi bati yango na capacité wana ezali en fonction ya yango groupe te ezali en fonction ya musala oyoko sala ko alimenter ba poste belé capacité voilà c'est ainsi évêque un réel évêque pas muto alali aloti ke bon po bato sangai na mibenge évêque te wane ezali kaka on peut dire quoi tigre en copale mais oyo azali réellement évêque nzamba likolo azali ko équiper ye parce que ye azali ko résoudre problème yaba pasteur azali ko résoudre problème yaba ancien azali ko résoudre problème yaba ndimi et Dieu lui confère cette place d'autorité c'est pourquoi ata tango basala ka musala na peso ndakisa musala ya l'état mutwaza député akokuzala na jeep yaba se yaba policier balanda ka ye ce matin akokuzala na policier na ye moko to mibale esuki wana mais mukolo akomi ke azali président ya assemblée nationale immédiatement makambo échanger jeep liboso jeep na sima nyonso na mpona ye pourquoi à cause ya oyo akomi ko représenter sika wana c'est ainsi bandeko yo ba minimiza kango ou ba kanisaka oyebi makambo na biso na église de réveil et ça le réveil yango c'est comme si pesa ba tupongi makambo ya bien wana bazali kuzwango tellement na pété que ba dilué sens na yango donc un évêque est sacré
Un évêque est sacré. Alors l'homme de Dieu, aux appels doyens, aux évêques, le sacré. Mais est-ce que aux appels dans ma canicie un jour, au diriger l'église des réveils. Actuellement, il y a aussi Dodo Kamba, votre jeune frère. Est-ce que quand même, vous avez rappelé à moi esprit on a? Bon, tout repostulé. Naibi Sarayo Kengai, bon, ma cambouya polémique penza. Nazaka est très fort. Ils ont ambition, mais problème, ils ont ambition. Ndekunangai, il dit très bien que parfois même, il y a même parfois des gens qui disent que Mutwana Tolingakete, Muko Azala, président Nabiso, mais le Kulangai, Nawel, Laka, Babilo Kwanate, Moussale déjà Nazana Ngawa, Ele Kingai Makasi. Mais pour l'unité du corps, nous sommes toujours ensemble et donc. Bango baliki ngaite, ngaipe na liki bangote, donc bisounos tozaba na nzambe, tozaba sale li nzambe, donc kukoma président ya église de réveil, ezali bisou moko nde, tofandi tolobie tembo, ye, tumbo, tosala, tokoku sala ndenge nini, ezali ke moto, ya ponami na nzambe ke yende mukonzi ya église de réveil azate. Ezali bisou nde toyoka na ndenge na bisou, juste pour avoir une voix auprès de l'État. Et que tant que tu as solo là, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu côté dit c'est ça le principe. Donc ça n'a, n'y a même pas doctrine à l'église de réveil Zakate. Mais il y a vrai. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as ok, et pas Jérémy, basi balataka kitambal na mutu. Mais et pas Nangai, et ça n'a pas problème. Ok, il n'y a pas na ndeko pasteur, je ne sais pas son nom, kuna basi balata ka pantalon. Et pas na pasteur mususu, bolati pantalon, ezali abomination. Et donc toutes ces choses là, batignons wana bazali ensemble. Tant que doctrine skoy ezawapi. Exact. Ok, il n'y a pas mususu azali à église de réveil, ye anjumike, batem ezali yezo atika, enseigner l'air, faites des disciples, baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok, il n'y a pas Moussou Sorbeté. Ne citez pas nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites seulement au nom de Jésus. Et Soukeluana. Bangnyon Swan. Ils sont tous ensemble. Donc, c'est pourquoi j'ai dit nous sommes là comme juste pour dire nous pouvons avoir une voix et non pas pour dire nous avons un enseignement identique, mais nous avons des caractéristiques identiques. Très bien. Voilà, merci beaucoup à tous les chrétiens du monde, vous nous suivez. Merci également à tous les serviteurs de Dieu. Donc, ça a toujours été un grand plaisir de partager des pareils moments avec l'évêque Jiba Mapia, un homme sage, très intelligent. En tout cas, ça fait toujours du bien. Alors, l'homme de Dieu, tu appelles le Congo, tu appelles patriote, tu appelles ancien élu. Il y a population, il y a peuple, député national, il y a 2006. Alors, moi que je continue à vivre, à survivre, toujours lutter, toujours bisous à Congolais. Peu importe ma cambo, ils ont les grands bouquins à bisous. Au moment où il y a Est Kuna, bah Congolais, bah Tomboka qui, bah c'est un retrait à Monisco. Monisco à Kendenaye. Tout à l'heure, je suis vu un prophète à la radio. Et bah le mec, non, après 22 ans, il faut pas qu'il y ait un bango. Nous sommes un pays autonome, indépendant. Tout se prendre en charge, tout pacifier, partir à Est Kuna, bah bisous. Tout ça, quand vous voyez Satan qui est un ancien parlementaire, un législateur, au gros, le banin, il peut dire Monique, Monisco, est-ce qu'il va demeurer dans Boko Nabiso, parce que jouer leur rôle convenablement, ou bien il y a des couacs, qu'est-ce qu'il faut proposer à l'homme de Dieu? Ma proposition, c'est joindre ma voix à la voix de plusieurs, mais qui parlent de façon modérée. Savez, c'est facile, tango, batake yo, les vatans en guerre, ça n'a jamais donné de solution. La violence appelle toujours la violence. Quant à la Monisco, mon message c'est de dire, oui, le gouvernement, notre gouvernement, a signé les accords avec la Monisco. Et comme notre gouvernement parle des retraits progressifs, et donc, moi, j'emboîte les pas pour dire, je suis d'accord avec ce que le gouvernement dit,
Mais moi, en tant que leader, je ne peux pas céder à la pression. Donc, le gouvernement ne cède pas à la pression pour aller dans la précipitation. C'est-à-dire quoi? Nous sommes un pays membre des Nations Unies. Il y a les accords à ce niveau-là qu'il faut se soutenir mutuellement. Mais c'est question de lever le ton pour dire les choses qui ne marchent pas. Là, je suis d'avis de dénoncer ce qui n'est pas bien fait. Non pas dénoncer pour dénoncer, mais dénoncer pour chercher des solutions. Et les solutions du genre, nous voulons la paix, nous voulons qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit sous l'emprise de qui que ce soit. Là, je suis effectivement de cet avis-là. Et donc, je suis pour le retrait, mais dans la formule proposée par le gouvernement. Un retrait progressif. Naye bisayo ngai nalandaka parfois politique internationale. Ba américain bazaki na Afghanistan, na Irak, ainsi de suite. Mais bezana une partie à population et sengeli ba troupe na bisozonga et tout ça. Mais quand même ba politique bazana ndenga bangu ya koloba, ba kokoloba wewe ba kosa kuzonga et tout ça. Mais Bazakoloba toujours, non, il faut essayer manandenge yamalam. C'est ce qu'il faisait. Quand vous faites pression, Balungwa, Bakende, dès que c'est que Balungwa wana, qui vont rester là-bas? C'est batik vide, vide wana. Est-ce que ce ne sont pas Baoui, Bazakoubondi Sabine, Bakouya Koufande Sikwana? C'est pourquoi Ezali, ceux qui retraitent à progressif, Boyebi, côté kuna lokolo na yoki ke na Tanganyika ba Monisco bazali ko se retirer progressivement. Voilà, gouvernement à prendre disposition ndenge nini na côté kuna makambo ko kosalema. Donc si c'est en désordre comme ça que bolamuki mpo tozana kanda mpo basali boye allez vous en et quitter et tout ça, et puis na makambo ya mukili ngai na zalinga nganzambe Bangompe bazabatu, ils ont des limites. Donc n'attendons pas que bango bakusale la biso makambu nyoso. Non non. Ce qui est sika ba réussir, to pesi nzambe lukumu, et sika ba échouer, to lobi bon, et sikoyo, on dirait bazaku kokate. Biso moko eloko ni tokoko sala. Donc il y a le travail que nous appelons la complémentarité. Et sika bango bakweyi basuki, bon, nous continuons mais en étant toujours ensemble. Parce que tant il y a Mboka, Koutikala comme si c'était dans l'isoloir, et c'est que le cas de Jérémy, c'est le lot et allé tout le monde ensemble, afin que là où les intérêts se réunissent, on parle. Sinon, si vous êtes absent des concerts des nations, alors ce qui se traite sans vous sera traité contre vous. Ce qui se traite avec vous, vous aurez la possibilité de savoir où est le mal, où est le bien. Voilà, un message spécial au gouvernant. Tout le monde, tout le monde, diplomatie, tout le monde, force. Nous sommes un pays béni, riche, convoité par tous. Alors, le Congo doit aussi jouer son rôle convenablement dans la région, dans la sous-région, même dans le monde, pour nous faire respecter. Ça, c'est très bien de l'homme de Dieu. Mais il n'y a pas longtemps, il y a une photo de Yomoko, vous avez quelque part dans Mokunzamboka. Son Excellence est Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était dans quelle manifestation, l'homme de Dieu? Non, il y a le coup de Mokunzamboka. Il y a quelques pasteurs. Il y a une trentaine de pasteurs. Seulement une trentaine. Bon, pour nous, nous sommes tous les pasteurs. Alors, nous sommes associés à cette occasion-là, au moins une photo. Donc, effectivement, tous les qui ont cité à OIA. Et puis, voilà. Vous avez dit que vous avez dit à toi, l'église. Bon, yé mukonzi ya mboka ndengo yebi azamwa na nzambe asambelaka. Donc to sambelaka ensemble na yé. Donc voilà ce que je peux dire. Et l'autre pas na population na biso yé azalé lusambu ya politique té.
ya yeza lusambu ya solo, c'est-à-dire mtu azaku sambe la nzambe, botindi nzembu vusanteke, azaku yemba nguna kubeta munokote, azaku yemba nzembu oyu wa yebi bien. Oya, mesana kuyemba. Ayi, mesana kuyemba. Bolo vito sambe la, omunite mtu azaku sambe la, mbon, lukuna mukonzi, na sambe la, lisu goshu, lisu. Non, non, azaku sambe la penza. Donc, c'est pour dire... que non alinga kanzambi alinga kanzambe Kongo ezali beni kozala na mutu lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola président de la République, chef de l'État, commandant suprême, le premier magistrat, le magistrat suprême pour conduire à la destinée de notre nation. Et nous disons là que c'est une grande bénédiction pour, parce que Dieu, quand il délivre le pays, il n'envoie pas d'abord la main comme non. Dieu, dans toutes les délivrances, il envoie un homme. C'est ainsi pour nous, nous pensons que avènement, il y a président Félix Ezali, une délivrance pour la RDC. Moi, j'ai mes arguments, je peux t'en donner et donner à ceux qui nous entendent. 1. Tolobakawa, Otunakingai, relique ya Lumumba, Ezongi. Mais quelqu'un qui vous ramène quelque chose qui vous a résisté pendant 60 ans. 60 ans, il y a beaucoup de gens qui ont été botamité. Mais il y a des gens qui ont été botamité. Mais c'est une délivrance, mon frère. D'autant la caca, diplomatie n'a pas dès que a commis Mokonzi, il était président de l'Union africaine. Nous sommes présents dans le Conseil des Nations. Na règne na ye récemment, DGI, Basali recette ya 1,5 milliard de dollars, pas de milliard ya ba franc congolais, 1,5 milliard de dollars en un mois, selon ba anal ya mboka na biso le kambwana nanu esalamate. Alors ndenge nini bokoko yebake mutoyo azana mission pona mboko yi batu bazaku kanisa esengeli makamu nyonso esale mambala moko te atan zamba lola asala mukil mukolo moko te papa. Très bien. C'était un jour asali mabele na lola et puis la Bible dit il y eut un matin et il y eut un soir tango mukolo mususu elandi akeli ba étoile ba luminaire ainsi de suite, il y eut un matin et il y eut un soir. C'est au sixième jour nde aye ko sala un homme créé selon sa ressemblance. Au moins que ezuye un temps, ce qui tozui langage ya Bible, que devant Dieu, un jour est comme mille ans. Et si nous prenons dans les termes de notre constitution, que le président de la République a un mandat de 5 ans, moi je peux dire, ok, donc, le coup la zamouana na Nzambe, le mandat ya Liboso, a sali na anu 5 jours. Donc, le coup là, dans une semaine, nous avons 7 jours. Tant qu'il y a 2 jours qui lui restent encore. Et les 2 jours, ce n'est plus les 2 années parce que Tozakana mandat, il y a 2 ans. Donc, il a encore un deuxième mandat qui l'attend. Et donc là, pour les Congolais de comprendre que l'avènement de cet homme est un apport de Dieu pour ce pays, un canal de délivrance. Soutenons-le dans les prières, soutenons-le pour vous qui l'entourez avec des conseils qui peuvent construire la nation et l'unité nationale. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici arrivés complètement à la fin. Mais pour se séparer l'homme de Dieu, ils ont un prophète belé, basu ba révélation, baloti ba ndoto qui trouble mon réseau en Mboka. Affrontement mon groupe en Mboka. Est-ce que nous sommes en 2023, année électorale, makile kotanga na Mboka? Aux hommes, la force moko, je dirais, ténèbres dans Mboka, ou bien yo loti ndoto mususu, contrairement à Oyo, ba prophète et le loba zolota papa. To chite wana. Bon, le coup là, et si ka ba prophète, ba monaki, ba zouaki, ba bisakwele, gai na zalaki te, mais Bible est autorisée, bisoke, bo yo ki bisakwele, bo jige yango. Alors, bonanga, na yebi ke, en tout cas, 2023, toko kende ba élection. 2023, Congo est au côté le matin. 2023, toko zala na président Félix comme pour son deuxième mandat. Ba député ba oy ba kokota
makambo ango bakotia mabaya bakoyebana et donc je suis prophète de paix et d'espoir et donc baoyo bazali koloba o 2023 bitumba et tout ça bon bible lo bible na biso ke ce qui est révélé est condamné ezana batu bazako sambela ete kimiezala na mbokoy donc nzambe akoyoke la biso kimie kozala ezana batu bazako sambela que ce qui stratégie ya bitumba ezali quelque part bazako sambela ezala étouffé tolobi ke ba stratégie wana ekuzala étouffé et donc oyo nzamba sia banduko sala tozako sambela ete nzambe akoba na kosala oyo azana programme na ye tozali bana na ye Congo ezali mboka elaka et nous dirons même s'il y a guerre je veux dire les héros sont nés dans la guerre et là nous aurons toujours la victoire mais moi je crois nous n'aurons pas la guerre pour attaquer la capitale ou quoi il y aura des poches de résistance oyo moi groupe iskil ya batu basali ma manœuvre quelque part moi yanzambe et tiabango polele et puis nyoso donc dans le leadership toteyaka le leadership et les conflits sont inséparables et donc là peuple congolais courage peuple congolais invoquons l'Éternel sur notre pays, bénissons notre pays, la République démocratique du Congo. Soyons fiers de notre pays, cherchons et privilégions ce qui nous unit, donc l'unité nationale. Et là, je peux dire, Dieu du Congo donnera la paix. Dieu du Congo gardera les institutions de la République et le peuple congolais. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous signale que le numéro de notre invité est affiché au bas de vos écrans. Olo bengangai bengai moko. Message na yo tinda kinga tinda moko pasteur, ça serait plus intéressant. Ce numéro est affiché au bas de vos écrans pour plus de contacts, prières, dialogue, on peut poser questions. Papa évêque Ejiba Yamapia est toujours disponible. Alors, je salue tous les hommes de Dieu. Pasteur Doris en Allemagne, Pasteur Olivier Tabala, nous vous saluons. L'homme de Dieu, John Ochudi Eli Miracle, nous vous remercions. C'est Mama Yassi, femme légitime, et Agence Mayassi, merci d'être là. Maman Claudine Elouye, qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Yalu Zombala de Madrid, Maître Siza Souka, ma puissance. Ainsi que Bandego Nyon Soubolina Rabisso. Soyez bénis, le boss c'est Chicha Chimbo na Turquie. Papa, nous sommes arrivés à la fin. Bandego Batalibiso, peut-être un numéro à contact ou rappeler Bango. Et puis, un message, mon espoir, na Bandego Bazobela, Bokono, Yamoulili, cancer des seins, Bétillé, Sida Yamouli, Yamoulili, Bétillé, Kindo, qui est la famille, Bato Babungi, c'est Likia, Bazo Koufa, Bamor Sibit, la famille, Makabouza, moi, et Bélé. Au PES avant mon message d'espoir, bon motoshite papa. Oui, aujourd'hui nous sommes le 1er août. J'ai dit, août, c'est un mois de reproduction. Amen. Et donc, ce que tu toucheras au mois d'août va se reproduire. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est lui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. La maladie soit-elle cancer, la maladie soit-elle hépatite, la maladie soit-elle sida, la maladie soit-elle typhoïde, toutes sortes de maladies de la tête aux pieds, au nom de Jésus, que l'onction de Dieu, qui elle n'a pas de limite, te touche là où tu es, Amen. Que tu reçoives la grâce. Oh Dieu, je bénis la République démocratique du Congo. C'est notre terre. Laisse que cette terre produise les meilleurs et que nous puissions en jouir. Tous ceux qui veulent être condamnés ou qui sont condamnés à la mort prématurée, j'annule cette ordonnance au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Roi. À l'est, à l'ouest,
au nord, au sud de la RDC. Protège ton peuple. Je te prie pour la ville de Kinshasa. Les autorités de la ville, je te les recommande. Du gouverneur au président de l'Assemblée provinciale, Seigneur, protège-les. Yahweh, qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Tu as dit, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Je t'ai invoqué ce jour pour que les malades dans les hôpitaux trouvent ta compassion. Mon Père et mon Roi, celui qui nous suit depuis la prison, s'il a été condamné injustement, lève-toi Seigneur et agis en sa faveur. Mon Père, mon Dieu, c'est toi le souverain, celui qui a le dernier mot sur la vie d'un chacun. Je te prie pour cette télévision, Équilibre Télévision soit béni. Amen. Son promoteur Jérémy soit béni. Amen. Merci pour le caméraman, Yahweh, parce que tu nous fais du bien et nous disons à toi l'honneur, la gloire, la puissance de génération en génération par le nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Voilà, merci pour la prière, papa. Nous sommes bénis. Salutations spéciales à vous tous. Abonnez-vous massivement, partagez l'émission, suivez cette émission attentivement. Nous sommes ensemble pour de vrai. Bye bye et au prochain numéro. Merci l'homme de Dieu. Merci Jérémy. Voilà, merci. Ouais.